But we are here. For me, I'm here to tell him that we have not forgotten. I'm convinced that he is going to fraud the election, just like Macron did in France. Trudeau did for last year, and Doug Ford did in Ontario. So we are here to show him that many people disagree, and we know that he's going to fraud. And I am here also to say that we are prepared for the fall, for their fall. Mm-hmm. Yes. And what pensez-vous que, why do you think that this summer there was not much protest happening? Je pense que l'absence des manifestations, ou plutôt la plupart, parce qu'il y en a eu quelques-unes quand même, c'est dû au fait qu'il n'y avait pas de protestation. Et les gens avaient l'impression que ce n'était plus nécessaire. Parce que je pense que les manifestations, généralement, il faut que les gens sentent cette envie. Et le fait qu'ils ne ressentaient pas ça a fait qu'ils ne te sentaient pas mieux. Le gouvernement a enlevé les masques presque partout, il ne poussait plus les gens à se faire vacciner, il a enlevé le code QR et tout. Et puis les gens se disaient pourquoi manifester. Mais quelque part, je ne suis pas très fâché parce que je me dis, ça faisait quand même 2 ans et demi de travail intense. Je me dis, si les gens se sont retrouvés, c'est pas mal. Parce que je suppose quand même qu'on risque d'avoir quelques mois difficiles où on doit être fort. Mais je crois qu'après, ça sera la victoire. On a vu que vous et Tamara Leitch, vous avez vécu un peu le même sort, un grand nombre de jours d'emprisonnement. Pourquoi pensez-vous que vous et Madame Leitch avez eu cette. I think they want to. To make example, so that people should not have the idea to protest. It's just like the fine. When they put the fine, $1,500, it is not so that somebody should not even have the idea to protest. In France, it is €150. So it means that I can take my car, I drive at the speed of 160 kilometers. It is less dangerous than not wear a brave mask. In the protest, because I have received many fines of 1,500 because I was not wearing the mask in a protest. So the amount of the fine is discouraging people. Now the treatment they have given people that protest, like me, like Tamara Leitch and many other people, it just removed the idea in the head of many people that I should not even try. Okay. Yes, they did it also for Pat King and many others. It is to so that no, don't even think of protesting, just submit. What is your prediction for the next election? Macron. In Quebec. I understand. I want to give you why for me. But they don't. Okay. D'accord, ok. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce n'est même pas une prédiction. Pour moi, c'est une évidence. Trudeau est passé, l'an passé, avec les mesures et tout. Il est quand même redevenu premier ministre. Macron a été revu en France, alors qu'il est aussi détesté que Legault ici. Doug Ford est passé en Ontario. Et la question que je me pose, c'est. Est-ce que le logo ne va pas passer? C'est la même clique là. C'est la même clique. Donc pour moi, ma prédiction est évidente. C'est que François Legault va rentrer premier ministre le 3 octobre au soir. Dans le 4 octobre, je crois que le gouvernement, le Canada va se réveiller avec un gouvernement capable de continuer. Ils ont besoin de parce qu'ils veulent nous conduire jusqu'à la catastrophe. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il s'est identifié au camionneur. Il a soutenu la manifestation des camionneurs. J'ai beaucoup aimé le fait que je l'ai vu marcher avec James Stock. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il ne s'est jamais, jamais, en tout cas, ce que je sais de lui jusqu'à maintenant, il ne s'est pas défilé de lui. Moi, je préfère donner la chance. Je ne suis pas Dieu pour connaître ce que les gens font. Mais par rapport à tout ce qu'il a fait, moi je préfère lui donner sa chance. Et dernière question, pensez-vous que les mesures sanitaires vont revenir Mais écoutez, ça même déjà commencé là. Ils donnent des tests rapides aux enfants pour la remonter des cas. Ils
ils ont remis à jour l'application Maximum. Ils ont commandé 30 millions de masques pour les enfants. Ils ont commandé 30 millions de masques pour les enfants. Et aujourd'hui, sur le Twitter, à Twitter, le Christian Dubé a trouvé un article de France une grande fois de fois. Il disait qu'il y a une montée de tampons pour la vie. Donc moi je pense que dans leur projet, parce qu'on ne doit pas oublier qu'il y a un projet mondialisé derrière tout ça. Ils ont besoin d'une produit, ils ont besoin de. Mais pour moi c'est une évidence. C'est très bien. Merci Alexa. Bien. Je suis bien content.